connectez-vous. Tellement chaud,
Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va zailler un peu. On va causer un peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe avec le vieux brigand? Nous sommes déjà à 1000, près de 1500 personnes connectées. Faites monter le mercure dans les partages. On va zailler un peu, on va faire un petit recadrage parce que j'ai l'impression que le vieux brigand de Ouattara a une, comme on le dit, il est amnésique. J'ai l'impression qu'il a une courte, voilà, mémoire. J'ai l'impression qu'il a oublié comment est-ce qu'il a accédé à ce pouvoir. J'ai vu un tweet, pas un tweet, j'ai vu, comme on le dit, un post, mais bien avant même de commencer. Je reçois plein de messages, il faut que je le dise. Je reçois plein de messages des cadres du RHDP. Je ne vais pas dire, voilà, les noms. Je vais m'abstenir de dire les noms pour ne pas, voilà, les mettre dans des positions vraiment très, très inconfortables. Mais je reçois plein de messages, voilà, des cadres. Quand je vous dis des cadres, je vous parle des personnes qui sont autour de Ouattara. Qui me disent la guêpe. Franchement, je veux savoir. Surtout, il y a une personne qui m'a abordé, voilà, hier, qui m'a dit la guêpe. Je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe réellement entre Ouattara et Soro Guillaume. Je veux réellement savoir quel est le problème entre Ouattara et Soro. Parce que, il faut que je le dise, c'est que nous sommes arrivés à un certain moment où on peut pas changer, voilà, le cours du passé. On ne peut pas changer l'histoire de notre pays parce qu'elle est très récente. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, je veux savoir quel est le problème. J'ai dit à la personne, comme c'est Messenger, voilà, et tout, on n'aura pas l'occasion de pouvoir mieux, voilà, discuter. Donc, j'ai demandé à la personne de me donner son numéro pour que nous puissions échanger. Donc, j'ai échangé avec cette personne. Je m'abstiens, voilà, comme je l'ai dit dès le départ, de dire le nom de cette personne. Mais la question, il faut que je le précise, elle est un peu fréquente, voilà, un peu récurrente, voilà, et tout. Donc, aujourd'hui, je veux parler. Je veux dire quel est le problème entre Soro, le vrai problème entre Soro. Pourquoi est-ce que Ouattara s'acharne autant sur Soro? Pourquoi est-ce que Ouattara débourse des milliards de francs CFA du contribuable à la trousse de Soro et de ses proches? Pourquoi est-ce que ces personnes qui ont mené ce combat pour Ouattara sont des personnes aujourd'hui incarcérées? Pourquoi est-ce que les fils dignes du Nord ont été tués? Quand je dis tués, je parle de qui? Je parle de Ahmed Bakayoko. Nous savons très bien que Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Quand je parle des fils du Nord, je parle de qui? Je parle du colonel Ouattara, voilà, qui a été tué, qui a été empoisonné, qui est venu aux États-Unis ici, qui malheureusement n'a pas pu survécu, voilà, au poison. Et quand je parle des fils du Nord, je parle de qui? Je parle de Amadou Gon Coulibaly. Oui, il ne faut pas que nous oublions Amadou Gon Coulibaly parce que Ouattara savait très bien que Amadou Gon Coulibaly était malade. Il savait très bien que ce monsieur ne pouvait pas quelque part, assumer cette responsabilité. Et quand Amadou Gon Coulibaly a été évacué au niveau de la France, Ouattara savait très bien que Amadou Gon Coulibaly, l'état, les conditions dont il a été évacué, les moments qu'il a eu à traverser pendant cette maladie, Amadou Gon Coulibaly n'était pas du tout, prêt à rentrer en Côte d'Ivoire. Mais quand Ouattara, il a un agenda, quand Ouattara doit forcément, par coûte, voilà, quelque part respecter son programme dont il a forcé, malgré le fait que les médecins n'ont pas voulu qu'Amadou Gon Coulibaly retourne, il a forcé, il a insisté en disant que non, il pouvait revenir, qu'on allait mettre tout à sa disposition et qu'il pouvait rentrer, voilà, sans crainte et que tout allait, mais vous avez vu, même pas, comme on le dit, à peine deux semaines de cela, et que Amadou Gon a perdu la vie. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu un post, voilà, du journal C'est Jeune Afrique, de Aminata 24.
Aminata 24, coucou à toi. Oui, coucou à toi. Parce que c'est ça aussi qui est la vérité. Ils vont t'attacher après ça, c'est ton problème, mais coucou à toi. Aminata 24 a fait un post où on a demandé, on a dit le cas de Soro Gibafouri Guillaume. Jeune Afrique a eu à dire, où en sont les enquêtes concernant Guillaume Soro? Seriez-vous prêt, comme avec Gbagbo ou Bédier, à faire l'effort de renouer avec lui? Ah, donc il répond, je n'ai rien à dire de particulier sur le cas de Guillaume Soro. Ce dossier n'est pas à mon niveau, mais entre les mains de la justice. Les faits qui lui sont reprochés sont d'une extrême gravité et il a été l'objet d'une condamnation à perpétuité. Mais il peut évidemment rentrer et faire face à la justice. D'abord, je vais commencer par dire que j'ai l'impression qu'Alassane Draman Ouattara est en train de délirer. J'ai l'impression qu'Alassane Draman Ouattara pète les plombs. Je l'ai dit qu'il est malade physiquement, mais j'ai l'impression que cette maladie est en train d'atteindre, voilà, son niveau intellectuel. Alassane Draman Ouattara sait très bien que la justice est à sa trousse. Il sait très bien que la justice est sous son contrôle. Ouattara sait très bien que personne et nul ne peut prendre une décision sans son consentement. Excusez-moi les gars, je vais essayer d'expliquer quelque chose. Je sais que ça va vous piquer un tout petit peu, mais la vérité est la vérité. Avant que le président Laurent Gbagbo ne rentre, ne revienne, il a été condamné. Voilà, il y a une charge qui a été mise sur le président Laurent Gbagbo. Voilà, qui n'avait rien à voir avec, comme on le dit, sa condamnation, pas sa condamnation, même avec le procès qui était au niveau de la haie. Voilà, et tout, donnez-moi une seconde. Au niveau de la haie. Mais quand Ouattara a condamné le président Laurent Gbagbo et que le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, est-ce que le président Laurent Gbagbo a été inquiété? Il n'a pas été inquiété. Est-ce que le président Laurent Gbagbo a quelque part, est-ce que Ouattara a essayé quelque part de réactiver ce dossier qu'il a condamné le président Laurent Gbagbo? Non, il ne l'a pas fait. Voilà, il y a certaines personnes qui ont été condamnées que Ouattara n'a pas réagi. Quand on parle d'une justice, quand on parle d'une justice qui est équitable, quand on parle d'une justice qui est transparente et que la justice a décidé de condamner le président Laurent Gbagbo sur son territoire, sur sa terre natale. Et justement, il faut que je le précise. Pourquoi est-ce que Ouattara n'a pas réactivé ce dossier? C'est parce que quelque part, c'est lui qui détient cette justice. C'est parce que quelque part, c'est lui qui a le monopole de cette justice. C'est parce que quelque part, nul ne peut prendre une décision. Rien, plus personne ne peut valider une décision sans Ouattara. Donc, quand il nous parle que le leader Soro peut rentrer, voilà, et faire face à cette justice, moi, je veux savoir de quelle justice Ouattara parle. Voilà. Je veux savoir de quelle justice Ouattara parle. Parce que si la justice était équitable, si la justice était transparente, pourquoi est-ce que Soro ne va pas rentrer? Nous avons vu des personnes qui ont été incarcérées. Nous avons vu des personnes aujourd'hui qui sont entre les quatre murs, les chiens de nos prisons. Nous avons vu des personnes comme Soul Toussoul aujourd'hui qui sont condamnées à 20 ans de prison pour avoir fait quoi? Pour avoir été quoi? Pour être. Parce que ces personnes comme Soul Toussoul, il est un ami fidèle de Soro. Donc si on peut condamner Soul Toussoul à 20 ans de prison parce qu'il est un ami fidèle de Soro, mais vous imaginez que Soro Gibafouri Guillaume va rentrer. Quel sera son sort? Si on peut condamner Afousiata Bamba à 20 ans, on peut condamner Touré Moussa à 20 ans, on peut condamner Issaka Fofana à 20 ans de prison. Vous pensez que c'est Soro qui va rentrer? Mais arrivé à un certain moment, je vous dis qu'Alassane Draman Ouattara se fout des Ivoiriens, il se fout de notre intelligence, il donne l'impression qu'il est quelqu'un de pacifique, il donne l'impression qu'il est quelqu'un de juste, il est un démocrate, mais je le dis haut et fort et je l'ai toujours répété dès le départ que Alassane Draman Ouattara est un sanguinaire, c'est un dictateur. C'est celui aujourd'hui qui met notre pays dans une instabilité totale. Quel est le plan de Ouattara? Je m'explique. Le plan de Alassane Draman Ouattara est un plan qui a été, planifié il y a des années de cela. Aujourd'hui, quand Ouattara nous dit que ce que le Ouattara il a pu faire en 10 ans, que le président Feu Félix Houphouët-Boigny n'a pas pu faire ça en 20 ans, vous pensez que Ouattara est en train de parler dans le vide? Vous n'arrivez pas à lire dans les lignes de Ouattara. Alassane Draman Ouattara aujourd'hui veut coûte que
que coûte, vaille que vaille, supprimé. C'est que banni, il ne veut même plus qu'on parle du présent feu, il veut complètement effacer le patrimoine du président feu Félix Houphouët Boigny. Ouattara veut mourir au pouvoir. Ouattara n'est pas prêt à partir. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, des personnes qui sont autour de lui, à qui il est en train de promettre, il a promis à Ahmed Bakayoko est où aujourd'hui? Il est 2 mètres sous terre. Il a promis à Amadou Gon Koulibaly, sachant bien que ce monsieur est malade. Ce monsieur est où aujourd'hui? Il est 2 mètres sous terre. Il est en train de promettre aujourd'hui à qui? Même à Kakabé, j'aurais appris que Ouattara a promis à Kakabé que tu me laisses, tu pars, puisque tout le monde a refusé de partir aux élections avec lui. C'est ça qui est la vérité. Donc, il a dit à Kakabé que tu me laisses partir aux élections, tu pars avec moi aux élections, tu me laisses gagner ces élections et j'aurai la chance dans 5 ans de te donner le tour, de te faire une passation. Il a fait à Kakabé, Kakabé est tombé dans son piège, Kakabé a sacrifié, voilà, les Ivoiriens et il a continué avec Ouattara. Il est en train de faire cette même promesse à Touré Mamadou. Mais Touré Mamadou, je le dis haut et fort que sois serein, ton tour arrive. C'est la même chose encore qu'il est en train de faire à Amadou Soumaoro. Amadou Soumaoro, certes, est malade aujourd'hui, mais c'est les mêmes promesses que Ouattara continue de faire. C'est la même chose encore qu'il a fait à Soro. Donc, je le dis que s'il n'a pas pu niquer ces personnes qui ont donné leur poitrine pour lui, vous pensez que Alassane Draman Ouattara est prêt à accepter? Vous pensez que Ouattara va donner ce pouvoir facilement comme ça à quelqu'un? Non, son agenda, c'est de mettre son fils, la fiole, au pouvoir. C'est l'agenda de Ouattara. Mais quel est le problème entre Ouattara et Soro? Le problème entre Ouattara et Soro, c'est le fait que Soro a démystifié Ouattara. Il a démontré par A plus B que lui, Soro Guibafori Guillaume, oui, il n'a jamais été un poltron et régner et ne pas reconnaître cette rébellion. Soro l'a dit. Pourquoi est-ce qu'il est devenu rebelle? Il est devenu rebelle parce qu'il faut qu'on le dise, arrivé à un certain moment, il y a eu certaines choses dans le pays qui n'étaient pas OK avec. Aujourd'hui, moi, la guerre, je peux me considérer étant une rebelle. Je peux me considérer être en train de faire cette rébellion, mais je fais cette rébellion dans quel sens? Je suis en train de hausser ma voix, haut et fort. Je suis en train de démontrer par A plus B que nous avons un dictateur qui a la tête de notre pays. La rébellion peut être prise dans son sens propre et dans son sens figuré. C'est ça. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont en guise, qui sont en quête d'une stabilité, d'une démocratie dans notre pays, sont tous, que nous le voulions ou pas, que nous acceptons de nous appeler des rebelles ou pas, mais nous sommes en train de combattre. Nous sommes en train de faire une rébellion indirectement. Oui, nous sommes en train de nous rébeller contre cette dictature. Nous sommes en train de nous rébeller contre cette imposture de Ouattara. Nous sommes en train de nous rébeller contre cette, comme on le dit, cette manière dont notre pays est en train d'être géré. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toutes les personnes qui veulent un changement dans notre pays sont quelque part des rebelles. Oui, nous sommes tous des rebelles. Nous sommes tous devenus des rebelles aujourd'hui. Oui, nous sommes tous des rebelles. C'est ça qui est la vérité. Mais Soro a démontré par A plus B que lui, il n'est pas d'accord. Le combat que lui, Soro Guibafori Guillaume, il a eu à mener. Ce changement que le Soro, il a toujours voulu. Il ne voit pas ce changement. Il sent que plus le temps passe, plus Ouattara est en train d'enfoncer le pays dans l'instabilité. Mais il est libre. Soro est libre de partir s'il ne se sent plus. Voilà. Dans cette, dans cette famille. Il est libre de partir. Mais parce que Soro a décidé de partir, pour cela, aujourd'hui, Soro est devenu l'ennemi premier de Ouattara. Soro a démontré. Et ce qui me fait rire, c'est que plus le temps passe, plus nous connaissons le vrai visage de Ouattara. Plus le temps passe, plus nous savons qui est Alassane Draman Ouattara. Nous avons des personnes dans le passé qui nous ont parlé de Ouattara. Et mais ce que Ouattara doit comprendre, c'est que la Côte d'Ivoire, l'État, c'est une continuité. Oui, l'État est une continuité. Nous avons connu le président Feu Félix Houphouët Boigny.
qui était là depuis des temps et des temps, il est parti. Nous avons connu le présent Henri Conan Bétier, qui a fait son temps. Il est parti. Nous avons connu le présent, le général Guy Robert. Il a eu à faire son temps, il est parti. Nous avons connu le présent Laurent Gbagbo. Oui, il a fait son temps, il est parti. Ouattara, il a fait son temps. Il est en train de faire son temps. Parce qu'il a violé notre constitution, il a violé notre article 11. La constitution qui est le noyau de tout État. Il est assis. Mais Ouattara va partir. Et Soro qui va fourrer Guillaume, Inch'Allah. Soro va venir. Soro va venir, il va faire son temps. Soro va partir. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir encore après Soro. Qui va faire son temps. Et c'est une continuité. L'État est une continuité. Ouattara ne peut pas hypothéquer notre pays. Il ne peut pas hypothéquer notre pays. Il a tué tous les fils dignes de notre pays. Regardez aujourd'hui tous ceux qui sont entre les quatre murs de vous à moi. Ce sont les petits nordistes. Ce sont les petits djoulas, comme on le dit. Ce sont ces personnes qui ont donné leur poitrine. Toutes ces personnes qui sont mortes aujourd'hui, qui ont été assassinées. Ce sont ces mêmes petits djoulas. Ce sont ces mêmes petits nordistes. Donc Ouattara est en train de tuer. Il tue, il tue, il tue. Et nous allons continuer à accepter. Nous allons continuer à cautionner cela. Regardez Afusiata. 20 ans. Vous trouvez que c'est normal? Regardez le leader qui a donné sa poitrine. Condamné à perpétuité. Et on le condamne sur une histoire de résidence qui lui a été offerte par le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est en vie. Allez-y lui demander s'il n'a pas donné cette résidence au leader générationnel Soro Guibafori Guillaume. Et une résidence qui ne porte même pas son nom. De vous à moi. Vous trouvez que ça c'est normal? Le commandant Abdoulaye Fofana. Mandat d'arrêt. On le recherche partout. Partout dans le monde. Pareil que le leader. Toutes ces personnes qui ont donné leur poitrine, qui ont combattu, qui ont mené cette rébellion pour un changement, mais ces personnes ne peuvent pas voir que pour ce pourquoi tu te plains et toi tu fais pire. Mais attendez là, arrivé un moment, il faut faire la part des choses. Arrivé un moment, il faut dire non. Et c'est ce que le leader générationnel, Soro, a eu à dire non. C'est ce qu'il a eu à dire non. Nous allons écouter ici, ce que les révélations de partager massivement le direct. Nous sommes à plus de 2000 personnes connectées. On va écouter. Puissant de tous ces problèmes, c'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier ici dans ce pays. Tout le temps. Et on a fini par avoir un pays défiguré dont le pli d'amertume part de Bondoukou à main à cause de cela. Et une rébellion que nous ne contrôlons plus. À cause de cela. Mais M. Ouattara Marcouzi, à aucun moment, n'a posé le problème du développement du Nord et le problème des djoulas, le problème des musulmans. À aucun moment. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a posé ce problème. Il s'est préoccupé du sort des 3 millions de Mossis qui sont dans nos plantations, ici. C'est ça, le problème. C'est de ça qu'il s'agit. Alassane Draman Ouattara n'a jamais voulu la stabilité de notre pays. Il n'a jamais voulu la stabilité de notre pays. Mais nous ne pouvons pas continuer dans cette, comme je le dis, dans cette débauche. Nous ne pouvons pas continuer. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Il a la base de tous les problèmes de notre pays depuis 1999, depuis le temps, depuis la mort du président Feu Félix Tshisekedi. Il a la base de tous les problèmes. Mais quand on lui pose une petite question sur le leader, il est sur les nerfs. On va écouter ici, vous allez comprendre que... Je pense que les confrères se sont suffisamment prononcés sur cette cérémonie. Ma question renvoie sur l'actualité politique, notamment le cas Soro Guillaume. Depuis le week-end dernier, le RHDP parti dans sa phase
la réalité définitive a vu le jour. Je n'ai pas besoin de faire un long discours. Solo Guillaume démissionnera en février. C'est entendu, c'est réglé. Ok, merci, monsieur le président. Vous avez vu? Quelqu'un qui l'appelle son fils. Quelqu'un qui l'appelle son fils. C'est que même quand on lui pose une question sur Soro, c'est que Soro le dérange à tel point que même quand on lui pose une question sur Soro, il est déjà sur les nerfs. Regardez comment est-ce qu'il a répondu à ce journaliste. Attends, je vais faire revenir rapidement, c'est 33 secondes. Voilà, vous allez voir comment il a répondu à ce journaliste. Je pense que les confrères se sont suffisamment prononcés sur cette cérémonie. Ma question renvoie sur l'actualité politique, notamment le cas Soro Guillaume. Depuis le week-end dernier, le RHDP, parti dans sa phase d'arrêt définitive, a vu le jour. Je n'ai pas besoin de faire un long discours. Soro Guillaume démissionnera en février. C'est entendu, c'est réglé. Ok, merci, monsieur le président. Vous avez entendu? Tellement il est gêné. Tellement il est mal à l'aise. Tellement quand on lui parle quelque chose de Soro, il est sur les nerfs. Il veut même pas qu'on... Mais attendez là. Soro n'a pas été celui qui a mené la vie dure à Ouattara. Bien au contraire, c'est Soro. Voilà, que Ouattara le veuille ou pas, c'est Soro qui l'a emmené, qui l'a permis de pouvoir accéder à ce trône. Voilà, on ne peut pas détester quelqu'un jusqu'à ce point. On ne peut pas. Quand on dit quelqu'un est son fils, un père ne peut pas détester ton enfant jusqu'à ce point. Ouattara n'a jamais été, je le dis, voilà, il n'a jamais été quelqu'un qui a... C'est quelqu'un d'intérêt pour les personnes qui le... Même son propre fils, même le propre fils de Ouattara. Mais son premier mandat, Ouattara ne parlait pas à son premier fils. Et je mets quiconque au défi de ça. Ouattara ne parlait pas à son fils. C'est dans son affaire de deuxième... C'est récemment, ça fait même pas plus de 3 ans que Ouattara a commencé à communiquer avec son fils. Quand je parle de son fils, je parle de son propre fils David. Ça fait même pas plus de 3 ans. Et tout ce temps-là, il y avait des problèmes entre Ouattara et son propre fils-là. C'était par rapport à quoi? C'est ces mêmes conneries de Ouattara. Ce sont ces mêmes conneries. Et aujourd'hui, ça me fait rire quand je vois certaines personnes en train de dire que oui, voilà, Soro a été pressé. Mais moi, je dis que Soro a bien fait de partir. Parce que vous avez vu ce qui est arrivé à Ambak. Vous avez vu Amadou Gon. Vous avez vu Ouattara. Vous avez Soussou qui est emprisonné. Vous avez Soro qui est condamné à perpétuité. Et Soro a été condamné à perpétuité. Mais je lui dis que c'est une chance parce que Soro pouvait se retrouver 2 mètres sous terre. C'est ça qui est la vérité. Il pouvait se retrouver 2 mètres sous terre. Mais comme je le dis... Depuis quelque temps, les journaux... Quand c'est pas ton jour, voilà et tout. C'est Dieu depuis qui, quelque temps, les journaux, suite à sa démission, sont allés dans tous les sens. Il était important pour nous qui sommes ses pas. Mais par dignité, par honneur, pour l'éducation que vous, Nyarafro, vous m'avez donnée, je ne peux pas céder au chantage. C'est clair. Je ne peux pas non plus me laisser effrayer. Non, c'est pas ce qu'on me va enseigner. Si j'étais un homme qui cédait au chantage, à l'argent, au poste, peut-être qu'à la fin, ce serait pas président. Bon, vous voyez, donc, voilà. De vous à moi, est-ce que quand Soro dit que si je cédais au chantage et que je cédais, c'était une histoire de l'argent, oui, Ouattara n'allait pas être président. C'est la vérité. Soro n'est pas en train de fabriquer, il n'est pas en train de mentir. L'histoire de notre pays, elle est récente. On ne va pas la falsifier, on ne va pas falsifier cette histoire. Pour faire... On ne va pas falsifier cette histoire pour faire plaisir à quelqu'un. L'histoire de notre pays est récente. On va écouter encore le leader. Le dieu était au pouvoir, j'étais ici. Quel étudiant à l'époque là n'allait pas sauter sur une bourse pour aller au Canada étudier? J'ai refusé. C'est pas à 46 ans que je vais apprendre à me laisser corrompre ou à me laisser effrayer ou bien un poste
Parce que je suis président de l'Assemblée nationale, je ne le ferai jamais. Heureuse de savoir que, malgré tout ce qui se trame, tout ce qui se dit, il est resté dit. De vous à moi, est-ce que ce que Soro dit là, ce n'est pas la vérité? Le président Laurent Gbagbo vit. Allez-y lui demander s'il n'a pas proposé des choses à Soro. C'est que nous ne sommes plus au stade de dire ah non. Mais le président Laurent Gbagbo, il en vit. Oui, il en vit. Allez demander au président Laurent Gbagbo s'il n'a pas proposé de l'argent comme Soro l'a dit. Il a fait. Donc Soro n'est pas en train de fabriquer. Il est en train de dire, il est en train de relayer les informations, il est en train de relater les faits. Comme les choses se sont passées. Mais Ouattara ne peut pas supporter cette vérité. Il ne peut pas accepter que Soro dise que lui, Soro Dipafuri Guillaume, c'est lui qui a permis que Ouattara soit aujourd'hui à ce trône. Mais attends, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Aujourd'hui, on parle de moi la guêpe. Je suis connue partout, je peux le dire, en Afrique, en Europe, partout. Mais attendez là, je suis connue en tant que qui? Je suis connue en tant qu'une cyber-activiste, soroïste. Je suis connue en tant que quelqu'un qui se bat. Pourquoi? Pour une démocratie dans mon pays. Et je mène ce combat à cause de qui? À travers qui? C'est à travers Soro qui bafourit Guillaume. Oui, c'est Soro qui fait qu'aujourd'hui, moi la guêpe, je suis la guêpe. Donc, je ne peux pas me lever aujourd'hui pour dire que, ah non, voilà, c'est pas Soro, hein. Moi-même, la guêpe, là, c'est pas quelqu'un qui m'a... Non, jusqu'à ma mort, mon nom, la guêpe, je dois ce nom à Soro qui bafouri Kion. Je dois ce nom à mon leader, Soro qui bafouri Kion. Le nom, la guêpe, là, c'est que moi, bon, je ne vais pas dire c'est ta manière, mais je veux dire, le fait que je suis connu, là, j'ai plus de 600 000 abonnés. Je dois ça à Soro, que je le veuille pas. C'est Soro, c'est l'homme qui fait l'homme. Donc, si Soro a permis à Ouattara d'être là, mais il n'y a rien de mauvais en cela. Il n'y a rien de mauvais en cela. Ou bien au contraire, Ouattara même doit même, il doit même dire même cela. Mais pour lui, c'est une injure, c'est une insulte que Soro dise que c'est lui qui l'a fait. Mais il a dit, il dit le masque, lui, l'a habillé. Lui, Soro, le masque, lui, l'a habillé dans la forêt sacrée. Ce masque, ne peut pas sortir puis venir l'effrayer sur la place publique. C'est lui qui a façonné Ouattara. C'est lui qui a permis à Ouattara d'être là. Quand le président Ouattara dit que, oui, qu'il connaît Soro, c'est un jeune homme, c'est quelqu'un qui a appris beaucoup de lui. Oui, il n'a pas menti. Soro a appris beaucoup de Ouattara. Et il a appris que Ouattara, c'est un marmailleur, c'est un sanguinaire, c'est un dictateur, c'est un menteur, c'est un vagabond notoire. C'est parce que Soro a appris tout cela que il a laissé Ouattara, il a quitté Ouattara. Oui, il a appris beaucoup de Ouattara. Parce que si Soro avait su qui était vraiment Ouattara, comme le président Laurent Gbagbo avait dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous pensez que de vous à moi, Soro allait continuer à mener ce combat pour Ouattara? Non, il ne le savait pas. Mais quand Ouattara dit oui que ce jeune homme, il a appris beaucoup de moi. Oui, Soro a appris beaucoup de toi, Ouattara. Il a appris. Il sait aujourd'hui qui est Alassane Dramane Ouattara, ce vieux brigand. Il le sait très bien. On va continuer un tout petit peu. Digne et fier d'être Senufo. Parce que la culture Senufo dit qu'on a une seule parole et on la maintient. Quel que soit ce qu'on a au goût, on la maintient. Et c'est ça, c'est ce côté que j'admire chez lui. Et je suis vraiment fier et satisfait. Vous vouliez que je reste à la tête de l'Assemblée nationale tous les matins, à la télévision, à la radio. Rentre à bourrer. Fais cela. Des gens qui normalement ne peuvent pas te parler. Je t'insulte. Des gens, bon, que Dieu aussi nous a aidés, on a aidé un peu. Les mines africains ont loin à l'âge d'alta. Pourquoi il a démissionné? C'était une question de conviction. Et aujourd'hui, nous qui épousons ces idéaux, c'est-à-dire la paix, la réconciliation, repartons fiers. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai chaise, non? Hein? Après chaise, là, c'est quoi il reste? C'est le fauteuil.
Et ça, c'est la vérité. Ouattara ne peut pas, il peut pas empêcher le destin. Il ne peut pas empêcher le destin de Soro. Si c'est écrit dans le destin, si Dieu a décidé que Soro, après lui Ouattara, Soro sera le futur président de la République de Côte d'Ivoire, Ouattara ne pourra jamais empêcher cela. Qui le veut, oui ou non, il ne pourra jamais l'empêcher. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui, il est en train de traquer, il veut nuire. C'est qu'il a, cette haine pour Soro. Pourquoi? Pour des personnes qui ont donné leur poitrine? Non. Je vous le dis haut et fort que le combat que nous sommes en train de mener est un combat générationnel, certes, mais c'est un combat pour emmener notre pays à aller de l'avant. C'est un combat pour emmener les Ivoiriens à comprendre que l'heure est grave. Notre pays est dans la main d'un dictateur sanguinaire qui fait du pays à sa guise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand je vois certaines personnes en train de dire, oui, voilà, Soro même, il a fait comme si, oui, Soro a fait la rébellion. Mais il a fait la rébellion pour qui? La rébellion a été faite pour qui? Qui est le père fondateur de cette rébellion? 1999. Depuis 1999, le président Bédié, là, déstabilisé le président Bédié? Asseyez-vous, allez réfléchir. Qui a voulu à la mort du président Laurent, à la mort, pardon, du président Félix Tshisekedi? Qui a voulu qu'on puisse changer cette constitution? Qui a voulu qu'on puisse changer, manier cette constitution? Mais c'est Ouattara. Il a toujours été à la base. Il a toujours été là pour les Micmac. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va changer sa manière. Il a toujours été un dictateur, un sanguinaire, un voyou notoire. Il ne va jamais changer. Donc, c'est à nous de prendre notre destin en main. C'est à nous de comprendre que le combat que nous sommes en train de mener, nous sommes dans un combat qui est noble. Et ce combat, nous devons rester sereins. Nous devons rester des personnes intègres, des personnes loyales. Oui, des personnes loyales. Parce que le combat que nous le menons, nous ne le menons pas pour Soro. Moi, je le dis tout le temps. J'ai dit le combat, je ne mène pas ce combat pour Soro. Mais je mène ce combat de la démocratie à travers Soro. Il y a une différence. Je mène ce combat à travers Soro. Parce que je sais que c'est à travers Soro que la démocratie, la cohésion, l'union, la fraternité que moi, la guêpe, je recherche, va pouvoir aboutir. Donc sur ce, je vous claque, plein de bisous. Et merci à toutes les personnes qui sont rentrées dans mon inbox. Et la personne avec qui, je l'ai dit, j'ai été approchée voilà, dans inbox à plusieurs reprises par certains cadres du RHDP. Et merci à cette personne qui a eu à, on a eu à échanger voilà, un peu longuement hier. Et voilà, je le dis haut et fort que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Et je pense que je t'ai déjà donné ma part voilà, de ce que je pense de cette haine que Ouattara a envers Soro. Dans les détails. C'est à chacun de nous, pardon, de comprendre et de pouvoir quelque part mieux faire le discernement et comprendre que l'heure est grave et l'ennemi commun que nous avons, le mal, le cancer, la gangrène de notre pays et de l'Afrique, n'est qu'une seule personne qui est Alassane Dramane Ouattara. Sur ce, je vous claque plein de bisous, Kokaini. Excellente soirée à toutes et à tous sous la protection